Fiche 11, exercice sur les intervalles. Dans le premier exercice, dans chaque mesure, j'ai mis deux notes. Et toi, tu dois écrire dessous si c'est une seconde ou une tierce. Tu as la leçon ici pour te rappeler. Donc, tu lis tes notes. Sol, La. Sol, La, est-ce que ce sont des notes qui sont juste voisines côte à côte ou est-ce qu'on a sauté une note? Si je compte sur mes doigts, Sol, La sont bien côte à côte. Et ça fait 2, c'est une seconde. Donc, tu écris 2 sous Sol, La. Maintenant, si tu regardes ici, tu lis tes deux notes, tu as un Fa et un Ré. Pour aller de Fa jusqu'à Ré, donc je descends, est-ce que Fa, Ré sont deux notes voisines descendantes? Si je compte sur mes doigts, j'ai Fa, Mi, Ré. Ça fait donc 3. Fa, Mi, Ré. Je suis descendue Fa, Mi, Ré. C'est une tierce. J'écris donc toi. Et ainsi de suite. Dans le deuxième exercice, je te donne une note de départ et je te dis ce que je veux. Je veux une seconde qui descend. Autrement dit, si j'ai un sol, je veux une seconde, donc la note qui est juste en dessous. Qu'est-ce qui est sous le sol? Le Fa. Tu dois donc écrire un Fa ici. Pour le suivant, j'ai un Ré et je veux une tierce qui monte. Je compte donc sur mes doigts à partir de Ré en montant pour faire 3. Ré, Mi, Fa. Tu dois donc écrire un Fa. À toi de jouer.